was yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons. On a commencé à la randonnée. T'es déjà fatigué ou pas? Oui. Here to stay, no, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Bon bah on fait une petite pause à côté d'une petite rivière. Ça fait franchement du bien. D'équiter ses chaussures, on va profiter pour manger. On est vraiment dans un endroit super super joli. Voilà. Ça y est, on est arrivé au lac. Kylian est en train de jouer avec les petits poissons. Il leur donnait du pain avec un monsieur. Et bon, bah, ce qui nous attend a l'air. Vous voyez. Voilà. Par là. Pas du tout. Par là. Bon, bref. Par là, là. Peut-être que vous voyez peut-être les gens qui continuent de randonner et qui gravissent la montagne encore. Et je pense que là on a atteint la capacité de Kylian. Donc on va rebrousser chemin, sachant qu'il y a à peu près 1h15 de marche. Bon, nous on a dû mettre le double voire le triple de temps, c'est pas grave, mais pour la descente je pense que ce serait un petit peu plus rapide. Du coup on fait la descente à l'ombre. Et bah, ça fait pas de mal parce qu'on était vachement couverts. C'est hein, vraiment nul. Les bons petits passages là, bien bon pour se tordre la cheville et se vautrer quand t'es à la fin du. Quand t'es à la fin du trajet, que t'es bien fatigué, bam bam, c'est le moment de s'entraver, comme dit Kylian. Donc restons prudents, ne relâchons pas notre attention. Voilà, on est arrivé à la voiture. Comme on va descendre, on va aller faire pipi, on va aller à la douche, on va manger un petit roupillon. Oui, c'est ça. C'est le moment de la douche, mais c'est un petit peu l'angoisse parce que bien que je me sois dépêchée, on est donc dans l'ombre depuis un petit moment et il fait seulement 11 degrés. Voilà, un grand moment de bonheur nous attend. Les gars, non mais les gars, la douche, l'épreuve que ça a été, une horreur. Donc on va finir le séjour un petit peu en mode crado, hein, comme on a commencé, c'est-à-dire avec des lingettes, ce sera beaucoup moins invasif, hein, dirons-nous. Ouais, j'ai enfilé un petit manteau là parce que franchement ça caille trop. Donc dans la douche, j'ai pas voulu mouiller mes cheveux, contrairement à Kylian qui, avant que je lui dise, l'avait déjà fait.
Donc comme j'ai pas voulu mouiller mes cheveux, je n'ai pas lavé mon visage et je le lave donc voilà avec ces magnifiques petites lingettes. Voilà. Hop. C'est dommage, on peut pas vous montrer à la caméra, mais on a eu un beau lever de lune, de pleine lune, derrière les montagnes et derrière les arbres. C'est vraiment super chouette. Et on va se coucher sur cette belle image et essayer de récupérer des formes, parce que demain, encore une fois, on a un programme chargé. Bonne nuit. Ha ha ha.